c'était pas trop un désastre qui me passait, mais il nous a beaucoup d'encouragement. Et mon corps, à travers vos visites ce soir, n'est pas grave, prix symbolique pour ça. Voilà, monsieur le ministre, pour les sous, quoique, je crois que si vous permettez moi, je vous remercie après vous, je vous remercie quelques mots. Je dis quand même, nous avons une priorité qui nous établit depuis hier soir, et une priorité qui nous établit aussi ce matin, depuis une réunion du conseil d'administration. La priorité d'hier soir, comme je finis à l'occasion, et certains de mes collègues, quand nous avons un point de presse vers 11h30 le soir hier, pour dire ce qui nous peut faire. On pensait que d'un moment difficile, que tout le monde dans la compagnie pour passer, et nous pas envie à ce plus de difficultés encore pour nous mal employer. Monsieur le ministre confirme ça. Nous tenons tous les loisirs si capables de mettre bonne personne sous ce masque technique, ne serait-ce que pour faire une l'économie d'un moment difficile. Ou carrément, trouver une excuse pour licencier tout le monde. Ou, nous n'avons ni licenciement, ni chômage technique, mais nous finissons ça qu'employé aussi, tout en sachant la chaîne de responsabilité. Ma personne, peut-être habite à Phoenix, ou en tout cas, on est là, elle est. Je vais voyager à l'aussi loin qu'il y a pu, à l'aussi loin qu'il a pu venir pour travailler. Pour quelques temps, à ce jour, nous ne pouvons pas prononcer ici les propos des mois, trois mois, six mois. Mais la compagnie peut faire de tout, des choses qui pourraient coûter cette misère qu'ils ont gagné tous les jours, après ça, incendie qui finit dévaster sa unité-là. Deuxième affaire aussi importante, je crois qu'en ordre de priorité, ils ont dit, c'est un client, c'est une commande, c'est un client. Donc, il y a une attention particulière aussi au client. Même hier soir, très très tard, mon premier qui est sorti dans CFD, vers minuit et demi, il y a du matin, que nous avons un client fait informer en primaire, nous ne pouvons pas laisser lire la presse mauricienne, pour soit pour poser des questions, nous informons eux qui accident est arrivé. Et là aussi, nous très très encouragés, la plupart de nos clients ils comprennent la situation, ce qui se fait gagner le plaisir de nous, c'est que Paris n'a aucun. La reconstruction de toute sa partie bâtiment qui est abîmée là, les faire le plus vite possible. Et dans le meilleur délai possible, de sorte que tout un chacun qui travaille dans le CMT est capable de trouver cette sérénité dans la place qui est de travail, lui qui est content, son habitude dedans. Vous connaissez, un place de travail comme la case, on finit par habiter là-dedans. Le jour même de nous, un autre la case, par exemple, possiblement. Personnellement, comme ministre de l'Industrie, je me réaffecte. Parce que pour moi, une usine, c'est là que je travaille, que je trouve au pied de riz. C'est très important ça. Quand une usine ferme, et encore plus quand une usine détruite par là, c'est-à-dire brûlée. Et encore plus douloureux, très douloureux. Depuis, il a affecté le pays entier. Surtout dans une situation que nous pouvons vivre, qui dans Maurice, qui au niveau international, là, ce qui concerne la sécurité de l'emploi. Et là, il y a 850 travailleurs qui concernaient direct et indirect toute la compagnie CMT. Parce que CMT, c'est une famille où blessent les doigts entiers les pauvres sentis. Je veux dire que toute la famille de la CNT aujourd'hui a senti ça, incident-là. Nous n'avons pas besoin d'aucun fonds d'estime de ce package. Aucun d'autres fonds de fonds publics
à ce moment qui me récolte avec Dieu. Je ne vais pas venir dans quelques temps, oui, mais à ce moment, je vais avec Dieu. Je vais venir avec Dieu pour la reconstruction, pour toute sa difficulté qui est là. Et nous sommes dans une bonne position. L'accompagner même financièrement. Et puis avec soutien de l'institution financière bancaire, nous disons, et nous sommes peut-être que nous sommes capables de beaucoup de facilité aujourd'hui, parce que c'est le ministre qui peut le faire ça. Nous trouvons dans un bon marché, il ne reste pas quelque chose pour lui, nous rentrons dedans. Nous avons un prêt avec un taux d'intérêt bien bas, et la banque aussi demande un taux d'intérêt. Mais tu peux qualifier pour ça aussi. Vous pouvez créer un bon papier, mais ne pas bien dans la facilité. Nous remets Thierry, c'est pas aujourd'hui que je vais être arrogant vis-à-vis de M. le ministre. Au contraire, je m'apprécie du fond du cœur et solidarité sur le gouvernement avec l'inépaisseur de M. le gouvernement.